Alors, j'ai fait l'acquisition d'une bineuse donc il y a 3 ans de ça, que j'ai acheté donc à NC Meca, Nicolas Vier, qui est donc un constructeur local sur la commune de Lautrec. Un avantage de l'avoir à proximité d'ailleurs. Cette bineuse donc est en 3 rangs. Elle est équipée de doigts rotatifs, souples et de socs à pattes d'oie. Je fais en général 2 passages. Donc j'interviens fin mars, début avril. Ensuite, je passe un deuxième passage donc fin avril, début mai. Ça m'est arrivé même une année de passer fin mai parce que j'avais vraiment un fort salissement et ça m'a, pour ainsi dire, sauvé au moment de la récolte, parce qu'on sait très bien tous que lorsqu'on récolte là, il y a un fort enherbement, ça devient vite compliqué avec les arracheuses. Donc du coup, ça m'a permis de bien nettoyer, d'arracher dans de meilleures conditions. Lorsque je passe donc sur le deuxième passage fin avril, début mai, je vais resserrer les étoiles qui ont les doigts souples et qui, elles, vont passer donc au milieu du rang, c'est-à-dire au plus proche possible des plantes. C'est un outil adapté à toutes les exploitations, petites, moyennes structures, je pense, car il nécessite un peu d'entretien, il est facile d'utilisation, facile de réglage. Il n'y a pas d'électronique dessus, il suffit par contre d'être à deux. Il nécessite une deuxième personne donc pour le guidage, c'est un guidage manuel. Mais après, c'est un coût quand même relativement modeste, qui est vraiment adapté à nos ateliers, je pense. Nous étions avec une labineuse donc de démonstration pour le secteur sud-ouest, un châssis rigide fixe qui pourrait être très bien aussi utilisable en châssis repliable. Au-dessus, nous avions un petit peu toute la gamme que peut proposer une BOC sur la partie binage, donc avec des éléments 5 dents, des éléments 3 dents, des éléments juste une seule dent, et avec la possibilité d'avoir également beaucoup d'accessoires, des doigts bineurs rotatifs, les doigts plus communément appelés cresse, les tris rotatives, l'air se peigne. Nous avions également différents types de ressorts et différents types de socs en fonction des utilisations, des dents S plutôt classiques et qui vont être axées sur un appel de prix, mais nous avions également des dents plus rigides avec des dents à étançon droite de différentes dimensions, dont un modèle propre à une BOC qui permet d'avoir vraiment une régularité de scalpage pour travailler vraiment en surface sans aller dégrader les racines de l'ail. Ce type de châssis donc est modulable et permet par exemple pour les petits producteurs de travailler également sur des cultures type maïs, tournesol, soja, et de travailler par exemple avec leur bineuse repliée pour pouvoir biner 3 ou 4 rangs d'ail avec la même machine grâce à la modularité de notre châssis et de notre poutre. La caméra sur cette machine donc était positionnée à l'arrière et voyait qu'un seul rang d'ail. La Shopstar ERS est une machine donc équipée en 4 rangs là, à 45 cm. Nous avions donc sur les passages de roue des éléments Rollstar, donc qui sont des disques étoilés qui permettent de relever la terre sur les côtés et de reconstruire un petit peu les passe-pieds qui sont creusés par les passages des tracteurs équipés en général en voie plus étroite en termes de largeur de pneumatique. Nous avons dans cette configuration-là un châssis ventral spécifique pour les cultures en planche qui recule la bineuse et qui permet à la caméra de voir 2 rangs au lieu d'un seul rang de culture, ce qui permet d'avoir plus de précision si on venait à manquer de semences par exemple et se retrouver qu'avec un seul rang de culture pour guider au lieu de 2. La caméra est également plus douce dans son fonctionnement puisqu'elle voit 2 rangs et elle peut anticiper, elle peut voir beaucoup plus loin en avant, ce qui permet d'avoir plus de précision et de régularité dans le guidage de la machine. Le guidage caméra avec notre propre analyse d'image nous permet d'avoir une caméra qui sera insensible notamment aux variations de taille de l'ail et également au vent qui pourrait créer des dégradations de guidage chez certaines machines. Donc avec une bineuse spécifique et un châssis spécifique, nous pouvons nous permettre d'avoir un petit peu plus de vitesse d'avancement. Nous avions une vitesse de travail avec la bineuse, on va dire, de démonstration autour des 4-5 km/h. Et avec la bineuse spécifique, nous avons une vitesse de travail qui est de l'ordre de 6-7 km/h, voire nous pourrions monter à des vitesses de 8-9 km/h selon la qualité de la plantation.